J'allais dire à la fin de leur cursus de formation, c'est que c'est la dernière marche avant de pouvoir intégrer le groupe pro. Pour eux, c'est une étape très importante. C'est, comme on dit, c'est de ne pas laisser partir le train. Et c'est à eux de montrer qu'ils sont capables d'élever leur niveau, capables de continuer à progresser. Nous, on les guide, on leur donne des conseils. Maintenant, c'est à eux de montrer leur savoir-faire sur le terrain. Ok, là, ok, d'accord, replace-toi. Ouais. Faut que tu ailles plus vite, plus fort, d'accord? Serre-toi de tes jambes. Je trouve, troisième, remise, et je viens de toucher là-bas, et j'annonce ta couleur. Vas-y, appuie, adversaire, je le tiens, là, oui. Quand même arriver jusqu'au groupe réserve du club, c'est quelque chose de bien, mais on n'est pas encore arrivé parce que c'est un groupe qui demande beaucoup d'exigence. On fait tout pour se rapprocher le plus possible du haut niveau. C'est notre but, arriver professionnel, réussir à se créer une place en haut et bien sûr jouer. On demande plus de qualité, plus de rigueur. Et c'est l'entraînement de tous les jours, s'améliorer sur ses erreurs. Parce qu'on fait souvent des erreurs quand on est jeune et aussi nous rectifier sur ça. Lève. Oui, super. Kelly, tu dois la voir. Bien joué, Montenay. Laurent et moi, je veux dire, on se connaît en tant que joueur, on s'est connus en dehors du football. C'est quand même un des premiers qui regarde davantage et qui prend davantage les joueurs à l'entraînement pour pouvoir les découvrir, pour pouvoir se donner une idée sur la valeur du joueur, sur le profil, quelle marge de progression. Et sur ça, je trouve qu'on est en phase et c'est très bien pour les jeunes joueurs et c'est très bien pour le club. Ça fait toujours plaisir de voir ceux avec qui on a joué dans les catégories en dessous parce que ça nous motive, ça nous dit que voilà, quand on les voit réussir, ben on peut réussir. On a été ensemble, on ne voit pas pourquoi ils réussiraient et pas nous. Et c'est encourageant parce que ça prouve aussi que le club fait confiance aux jeunes du club. Ce qu'il faut pour réussir, il faut de la rigueur, de l'exigence, du talent. Donc être déterminé, pour atteindre son objectif, il faut être déterminé. Et voilà, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner, mais de bien leur faire comprendre qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent être pros, mais peu d'élus. Donc à eux de tout faire pour atteindre leur fameux objectif.